Matthieu 28:16-20. Matthieu 28, verset 16 au verset 20. Let's have it read not only in English but also in French. Que ce soit lu non seulement en anglais mais aussi en français. Yes, go ahead. Matthew chapter 28 from verse 16 to 20. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Amen. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline où Jésus leur avait donné rendez-vous. Dès qu'ils l'aperçurent, ils se prosternèrent en adoration devant lui. Quelques-uns cependant conservaient des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu le plein pouvoir au ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Amen. In the morning we were saying, le matin, nous étions en train de dire that the post-resurrection events of Jesus on earth, que les événements survenus après la résurrection sur terre, après la résurrection de Jésus, took place in two major regions. Avaient eu lieu dans deux régions majeures. There were the appearances in Judea. Il y avait les apparitions en Judée. In Jerusalem and the environs. À Jérusalem et dans les environs. He appeared to them in the upper room. Il leur était apparu dans la chambre haute. He appeared to them on the road to Emmaus. Et il leur était apparu sur le chemin d'Emmaüs. He appeared to them individually. Il leur était apparu individuellement. He appeared to them near the tomb. Et il leur était apparu près de la tombe. He appeared to them. Il leur était apparu. We don't know about 500 of them. Nous savons environ 500 d'entre eux, environ 500 d'entre eux, in the outskirts of Jerusalem, dans les environs de Jérusalem, near Olivet, près de la montagne des Oliviers, when he ascended to heaven, quand il est monté au ciel. But before he ascended, mais avant qu'il monte, he took a rendezvous with them, il a pris un rendez-vous avec eux, through Mary, à travers Marie. So Mary, il a dit à Marie, tell my brothers and my brothers, dis à mes frères, that we should meet in our favorite spots back in Galilee, que nous nous retrouvions à notre endroit habituel en Galilée. He named the mountain. Il a désigné, nommé la montagne. And took an appointment. Et il a donné un rendez-vous. It was a special convocation. C'était une convocation spéciale from the Lord, du Seigneur, through Mary, à travers Marie. But Mary was not invited. Mais Marie n'était pas invitée. Only the 11. Seulement les 11. It was high chamber business. C'était une affaire de la chambre haute. They were going to discuss the legislations of the coming kingdom. Ils étaient en train d'aller voir la législation du royaume à venir. So this morning, donc ce matin, here they are invited by Jesus to an appointment on a named mountain in Galilee. Les voilà invités par Jésus à une montagne désignée en Galilée. So the events after the resurrection, dont les événements d'après la résurrection, les événements survenus après la résurrection, took place both in some in Galilee, certains en Galilée, and most in Judea, et la plupart en Judée. The events that took place in Galilee, les événements qui ont été survenus en Galilée,
is part of what is related in the passage we have read. Ça fait partie de ce qui est relaté dans le passage que nous venons de lire. Let's have an appointment in this mountain in Galilee. Retrouvons-nous sur telle montagne en Galilée. So they were going to that appointment. Donc ils allaient à ce rendez-vous là. Expecting that Jesus will appear. S'attendant que Jésus apparaisse. This was not the appearances prior to his presenting himself to the Father. C'était pas l'apparition. C'était pas les apparitions. Avant qu'il ne se présente au Père. He had gone ascended to the Father. Il était monté au Père. After he received his coronation. Après avoir reçu son couronnement. And presented his credentials after the work of the cross. Et qu'il avait présenté ses crayons après l'œuvre de la croix. And received the approbation of heaven. Et qu'il avait reçu l'approbation du ciel. The first people he wanted to announce it to were his companions. Les premières personnes à qui il voulait l'annoncer étaient ses compagnons. And he planned a rendezvous with et il a planifié un rendez-vous avec eux in Galilee. En Galilée. That's the event before us. Ça, c'est l'événement qui est devant nous. But we are saying, mais nous sommes en train de dire those 11 who were going there, ces 11 là qui se rendaient là, in what condition were they? Dans quelles conditions étaient-ils? They had just been restored. They had just come through a traumatizing experience. Ils venaient d'être restaurés. Ils venaient juste de passer par une expérience traumatisante. The death of Jesus. La mort de Jésus. The events of the cross. Les événements de la croix. Had revealed so much of that which was bad and lacking and deficient in them. Avait révélé tellement de ce qui était mauvais, de ce qui manquait et de ce qui était défectueux en eux. The cowardice. La lâcheté, the insufficient consecration, la consécration insuffisante, the treason, la trahison, the denial, le reniement, the love of their lives, l'amour de leur vie, the baseness, la bassesse, the undependability, leur capacité, leur instabilité telle qu'on ne pouvait dépendre d'eux, the events of the cross. Les événements de la croix had painted them in somber light. Les avaient fait paraître dans une lumière sombre. In true light. Dans la vraie lumière. It had closed their mouths. Ces événements leur avaient fermé la bouche. From all their previous claims to greatness. De toutes leurs prétendues, de leurs revendications de la grandeur passée. From all their past boastings. De toutes leurs vantardises du passé. They had known enough about themselves. Ils avaient connu assez d'eux-mêmes. To be a very quiet people. Pour être des gens qui tiennent la bouche fermée. They had seen enough about themselves. Ils avaient vu assez sur eux-mêmes. And they had the honesty. Et ils avaient eu l'honnêteté. To know. De savoir. That they were not worthy of his trust. Qu'ils n'étaient pas dignes de sa confiance. They hurt him. Il l'avait blessé. And he had had to spend over 40 days after his resurrection. Et il lui a fallu passer plus de 40 jours après sa résurrection to rescue them. Pour les secourir, pour les ramener. From their disillusion. De leur désillusion. From their disappointment. Pour de leur déception. From their disappointed expectations. De leurs attentes déçues. From the exposure of their impure motives for nationalistic objectives. De leur exposition à des motifs nationalistes impurs. So they weren't going to that appointment. With great joy. Donc ce n'est pas avec grande joie qu'ils allaient à ce rendez-vous-là. They were going with trepidation. Ils allaient avec crainte. They were going. Ils allaient with hesitation. Avec hésitation. They were going the way you feel when you have failed about coming to meet those who are walking with God. That's how they were feeling. Et their feeling was deeper because
Those of us who are still managing to walk with God, we are not as holy as Jesus. So imagine how he felt like to be going to meet him. Sentez quand vous allez pouvoir ceux qui sont en train de marcher avec Dieu, mais et c'est comme ça qu'ils sentaient, et même plus profondément, parce que même ceux d'entre nous qui sont en train de s'efforcer de marcher encore avec Dieu, nous ne sommes pas aussi saints que Jésus. Donc imaginez donc dans quel état eux ils se trouvaient quand ils allaient à cette rencontre avec Jésus. They were not a happy band. Ce n'était pas une bande joyeuse. It was not the usual talkative band. Ce n'était pas la bande habituelle de bavards. There is no recorded conversation on the road. On ne mentionne aucune conversation entre eux pendant qu'ils s'y rendaient. They had failed. Ils avaient échoué. They had been restored. Ils avaient été restaurés. They had been reassured. Ils avaient été rassurés. And so they were invited to a meeting with the Lord. Et ainsi ils étaient invités à une rencontre avec le Seigneur. We thank God for the graciousness of Jesus. Nous remercions Dieu pour la miséricorde de Jésus. We thank God that he gives up on no one. Nous remercions Dieu de ce qu'il ne laisse tomber personne. I think you can see enough of yourself in those 11. Je pense que tu peux te voir avoir assez de toi-même dans ces 11 là. Praise the Lord. Gloire à Dieu. That was the state in which they were. C'est dans cet état qu'ils étaient. So they took the long journey from Judea to Galilee. Donc ils ont entrepris le long voyage de la Judée en Galilée. They got to that mountain. Ils sont arrivés à cette montagne. And they waited. Et ils ont attendu. The language that the Bible uses. Le langage que la Bible utilise. Is a language that indicates that when they got there, they waited. C'est ce langage qui indique que quand ils y sont arrivés, ils ont attendu. The Bible says, la Bible dit, they saw him, ils l'ont vu, that he came to them, il est venu à eux, il les a approchés. Ah, on l'a vu, et il les a approchés. That is choreographic language. Ils l'ont attendu, ils l'ont vu, et il s'est approché d'eux. So they saw him. Donc ils l'ont vu. And when they saw him, et quand ils l'ont vu, coming in glory, venant dans la gloire, they were not dreaming. Ils n'étaient pas en train de rêver. It's not a psychological. It's not a vision. Ce n'est pas une vision. If it is a vision, 11 people cannot be having a simultaneous vision of si the same c'est thing. Une vision, 11 personnes ne peuvent pas se mettre à avoir la même vision en même temps. So it's not. It was an empirical appearance. C'était une véritable apparence, vraie, empirique. In space and time. Dans l'espace et le temps. In dimensions of reality. Dans les dimensions de la réalité. Space, time, dimension. Dans la dimension espace-temps. He appeared to them. Il leur est apparu. And when they saw him, et quand ils l'ont vu, they were overawed by his glory. Ils étaient émerveillés et par sa gloire. His appearance. Son apparition bowed them to the ground. Les a forcés à se prosterner devant lui. Prostrated them. Il les a amenés. His appearance. Son apparition les a mis à genoux. No, on the ground. Et les a fait tomber par terre. They fell before him. Ils sont tombés devant lui. They saw him. Ils l'ont vu. And their movement was not. To study the colors of the rainbow that surrounded him. Leur mouvement, c'était pas pour étudier leur attention, c'était pas pour étudier les couleurs de l'arc-en-ciel qui l'environnait. In the encounter with Jesus. Dans la rencontre avec Jésus. In his glory. Dans sa gloire. There's only one way.
There's only one direction in which people move. Il y a une seule direction dans laquelle les gens vont. If makes them move downward, ça les force à tomber devant lui. They saw the glory. Ils ont vu la gloire. And it collapsed them. Et ça les a fait s'écrouler. Deliberately, délibérément, they went on their faces. Ils sont tombés sur leur face. They saw their glory. His glory. Ils ont vu sa gloire. And they down, they went on their faces. Et ils sont tombés sur leur face. It wasn't the familiar Jesus they knew. Ce n'était pas le Jésus familier habituel qu'ils connaissaient. This was a spiritual Jesus. C'était un Jésus spirituel. Their fleshly acquaintance with him. Leur familiarité charnelle avec lui did not produce they are taking him for granted. N'avait pas fait qu'ils le prennent pour acquis. What they saw, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils voyaient, yeah. La gloire, c'est qu'ils étaient prostrate. Et ils se sont prosternés. In worship, dans l'adoration, in acknowledgement, dans pour le reconnaître. It was establishing a new standing. C'était établir une nouvelle stature. Their new standing with him. Leur nouvelle stature avec lui, leur nouveau standing avec lui. Was that he was king? C'était que il était roi. He was glorious. Il était glorieux. It was a spontaneous acknowledgement. C'était une reconnaissance spontanée. It was the vision of Christ. C'était une vision de Christ. It was the vision of C'était Christ. La vision de Christ. That made them into worshippers. Qui a fait d'eux des adorateurs. Praise the Lord. Gloire à Dieu. They were on their faces. Ils étaient sur leur face. In worship. Ils ont adoré. In worship. Dans l'adoration. Brethren, et frères, it was to worshippers. C'était à des adorateurs that Jesus gave the great commission. Que Jésus a donné la grande commission. They fell in worship. Ils étaient tombés en adoration. They rose his missionaries. Et ils se sont relevés ses missionnaires. They saw him. Ils l'ont vu. And they fell before him. Ils sont tombés devant lui. In worship. En adoration. It was to worshippers. C'était à des adorateurs. That Jesus spoke. Que Jésus parla. That Jesus gave assignments. Que Jésus donna des tâches. It was to worshippers. C'était à des adorateurs. That he entrusted his mission. Qu'il confia sa mission. It was to a people. C'était à des gens properly related to him. Qui étaient correctement, qui avaient une relation correcte avec lui. Comment? À des gens qui. It was to a people. C'était à des gens, un peuple. Who had the right dispositions towards him. Qui avait la bonne disposition envers lui. Dispositions. C'était à des gens qui avaient de bonnes dispositions envers lui. It was to them. C'était à eux. That he spoke. Qu'il parla. It was to men on their knees. C'était à des hommes à genoux. To men on their faces. À des hommes sur leur face. Defeated by their failure. Vaincus par leur échec. To men. À des hommes. Broken. Brisés. By self-knowledge that the cross brought to them. Par la connaissance d'eux-mêmes que la croix leur avait apporté. And the reason Jesus doesn't have many servants. Et la raison pour laquelle Jésus n'a pas beaucoup de serviteurs. Is that there are very few broken men. C'est qu'il y a trop peu d'hommes brisés.
And many are not broken. Et plusieurs ne sont pas brisés. Because they have not faced the cross. Parce qu'ils n'ont pas confronté la croix. Those who face the cross. Ceux qui confrontent la croix. Know themselves. Se connaissent. And it closes their mouth. Et cela leur ferme la bouche. And they are broken. Et ils sont brisés. And it is to them. Et c'est à eux. That Jesus speaks. Que Jésus parle. He commissions broken men. Il commissionne des hommes brisés. And he commissions worshippers. Et il commissionne des adorateurs. He commissions prostrated men. Il commissionne des gens prosternés. I don't know what you expect that Jesus is going to tell you about your service to him. Je ne sais pas ce que tu attends que Jésus va te dire au sujet de ton service. I don't know how what you have studied about how God speaks. Je ne sais pas ce que tu as étudié au sujet de comment Dieu parle. But God is not technical. Mais Dieu n'est pas technique. He is not going to fit into any of our framework of how God talks. Et il ne va pas entrer, s'ajuster dans aucun de nos schémas sur comment Dieu parle. But mais your dispositions must be prepared for God to talk to you. Tes dispositions doivent être préparées pour que Dieu te parle. In encountering God, dans la rencontre avec Dieu, must be the engineering of your inner disposition. Il faut qu'il y a l'opération de ta disposition, les changements de ta disposition intérieure, the brokenness, le brisement. The self-knowledge, la connaissance de toi. The worship, l'adoration. The silence, le silence. Inside, à l'intérieur. The preparation to hear God, la préparation pour entendre Dieu. Is not a technical education. Ce n'est pas une éducation technique. Of how to interpret dreams. Comment interpréter les rêves. And some pompous, self-righteous. Those who have eaten too much beans and had too many beans dreams. Believing and then they sit down, I saw myself flying. It means that I am going to go to many nations to preach the gospel. Ce n'est pas des rêves. Des gens qui ont mangé beaucoup d'haricots, soit ils ont des rêves et se disent, oh, quand Jésus s'est fermé, je me suis vu en train de m'envoler. Non, ça signifie que je vais aller dans beaucoup de nations. It was to a broken people. C'était à des gens brisés. It was to worshippers. C'était à des adorateurs. That he gave the commission. Qu'il avait donné la commission. What is lacking? Qu'est-ce qui manque? Many want to serve the Lord. Plusieurs veulent servir le Seigneur. Many want positions of greatness. Mais plusieurs veulent des positions de grandeur. But God speaks to those who are broken. Mais Dieu parle à ceux-là qui sont brisés. He speaks to those on their faces. Il parle à ceux-là qui sont sur leur face. He speaks to those who have had enough self-knowledge to be broken and to be quiet and to be humble. Et il parle à ceux-là qui ont eu assez de connaissances d'eux-mêmes pour être brisés et pour être silencieux et pour fermer la bouche. Those are the people God talks. Ça, ce sont ceux-là à qui Dieu parle. Until God has broken you, jusqu'à ce que Dieu t'ait brisé, he cannot trust you with his mission. Il ne peut pas te confier sa mission. Il ne peut pas te faire confiance pour sa mission. You may fail him when you get to discover yourself. Tu pourrais le décevoir et échouer quand tu vas te découvrir. When life circumstances, quand les circonstances de la vie will show you who you are, vont te montrer qui tu es. For many of us, pour plusieurs d'entre nous, we have not faced the great tests of life. Nous n'avons pas fait face aux grandes épreuves, aux grands tests de la vie. It is granted to every man. Il est accordé à chaque homme. Ça va arriver à tout homme. Ah, ça va arriver à tout homme. To face the big tests of life. De faire face aux grandes épreuves de la vie. On your pathway, sur ton chemin, especially of serving God, spécialement dans le service de Dieu, you will encounter naked women. Tu vas rencontrer des femmes nues. Desperate women. Des femmes désespérées. That day, ce jour-là, you know who you are and what you are made of. Tu sauras qui tu es et de quoi tu es fait.
sanctuary holiness will give way to true holiness. La sainteté du sanctuaire, ça va laisser la place à la vraie sainteté. Do you know what you look like in front of a naked woman, a good one, not the kind that is an apology, but the one that you have always dreamt about? Est-ce que tu sais ce qu'à quoi tu peux ressembler devant une femme? Nue. Une femme nue. Et une jolie femme, pas une qui a présenté des excuses, mais le genre dont tu as toujours rêvé. And who is there for you? Et qui est là pour toi? Virgin territory for exploration. Un territoire vierge à explorer. And et all for you. Et tout à toi, pour toi. And God and the devil invites you. Et le diable t'invite. Come and bury the call of God on your life into this grave. Viens enterrer dans l'appel de Dieu pour ta vie dans cette tombe-ci. The lapses of many women have buried many destinies. Les cuisses de plusieurs femmes ont enterré plusieurs destinées. The devil may invite you to add your name to the list of those who have been buried. Le diable pourrait t'inviter à ajouter ton nom à la liste de ceux qui ont été enterrés. Samson is there as one of the prefects. Samson est là comme l'un des capitaines de ceux-là. Just come along. Et viens. Come on. Viens, allons. Enter. Mais entre. And end. Et fini. Enter and end it. Et entre. Et c'est la fin. Et fini. Yeah. Enter and finish. Entre et fini. You enter joyfully. Tu entres avec joie. And your destiny is buried there. Et ta destinée est enterrée là. And that's what Solomon means in Proverbs by saying, "Oh my son Lemuel, do not love women." C'est ça que Salomon dit dans Proverbe. Oh mon fils Lemuel, n'aime pas les femmes. Do not give your power to those who destroy kings. Ne donne pas ta vigueur à ceux-là qui détruisent les rois. So women have a name, a pseudonym. Donc, les femmes ont un nom, un pseudonyme. In the Bible. Dans la Bible. Those who destroy kings. Celles qui détruisent les rois. Replace kings with leaders. Remplacer roi par dirigeant. Those who destroy, celles qui détruisent les dirigeants. Those who destroy, celles qui détruisent. Hey sisters, say it. Hey sœurs, dites-le. Those who destroy, celles qui détruisent. Every woman has two destinies. Chaque femme a deux destinées. To be a maker of men. Soit elle est quelqu'un qui fait les hommes. Or to be the grave of leaders. Ou être la tombe des dirigeants. When you die, quand tu mourras, they will write on your tomb. On écrira sur ta tombe. Spiritually. Spirituellement. This one was a grave. Celle-ci était une tombe. Or they will write on your grave. Oh, on écrira sur ta tombe. This one, celle-ci, was a womb. Et elle était un sein. Of greatness. Oh, qui a produit la grandeur. Each one of us, chacun de nous, is going to face the great tests of life. Va faire face aux grandes épreuves de la vie. It is opportunity that made Judas Iscariot know himself that he was a thief. C'est l'opportunité et l'occasion qui a fait que Judas Iscariot se découvre qu'il est un voleur. How can you know whether you are a thief when you have never kept money? Comment peux-tu savoir si tu es un voleur quand tu n'as jamais gardé de l'argent? For now, pour le moment, you are pure. Tu es pur. Because who? How much money enters your hands? Quelle quantité d'argent même entre dans ta main? Opportunity makes a thief. L'occasion fait le voleur.
Someday, un jour, you'll be the leader of your house church. Tu seras le dirigeant de ton église de maison. Or of your local church. Ou bien de ton église locale. And when the offerings begin to come in, et quand les offrandes commencent à entrer, you will tell us in Kume that you understand we are building our hall. Tu vas nous dire à Kume, bon, vous comprenez bien, nous sommes en train de construire notre hall. You gather stones behind your house and pay yourself. Tu rassembles les pierres derrière ta maison et tu te payes toi-même. Clap for yourself. Applaudis pour toi-même. You are a thief, un voleur. And that is why many local church leaders don't like the leaders visiting their churches. C'est pour ça que beaucoup de dirigeants d'églises locales ne veulent pas que les leaders visitent leurs églises. Leur église. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on visite leurs églises. The keeping of money. Garder l'argent. When money in Nigeria. Au Nigeria. One lady told me. Une dame m'a dit. C'est Brother Theodore. Je dis Frère Theodore. I am in this ministry. I will not call the name. Je suis dans ce ministère-ci. Et je ne vais pas mentionner le nom. So, you know why I went there? Elle dit mais sais-tu pourquoi je suis allé là-bas? I went there because je suis allé là-bas parce that que brother, ce frère-là, he was a fabulous teacher. Il était un enseignant formidable. He taught us on prayer. Et il nous enseignait sur la prière. We were just a few of us. Nous étions seulement un petit nombre. He taught. Et il enseignait. Oh, and I saw that this is a great servant of God. Et j'ai vu oh ça c'est un grand serviteur de Dieu. And he told me. Et elle m'a dit. He was a wonderful pastor. Il était un pasteur formidable. Until we collected our first offering. Jusqu'à ce que nous ayons collecté notre première offrande. After that first offering, Brother Theodore. Après cette première offrande, Frère Theodore. We collected the offering because we wanted to make benches. Nous avons collecté les offrandes parce que nous voulions fabriquer des bancs. But the money that came in. Mais l'argent qui est entré. Was over 100 times more than benches were needed. C'était plus de 100 fois les bancs dont on avait besoin. So I saw him change. Et elle dit, je l'ai vu changer. The offering, l'offrande, changed this man of God. A changé. Les offrandes ont changé cet homme de Dieu. He collected it. Il a collecté. And hurried with it home. Et il est rentré rapidement à la maison avec. And Brother Theodore. Et Frère Theodore. The guy was not the same again. Cet homme-là, il n'était plus le même. And I am sorry. Et dit, je regrette. That I was one of those who ruined a young man. Que j'étais l'un de ceux-là, un de ceux-là qui ont ruiné un jeune homme. With sacrificial offerings for which he did not have the character to control. Avec des offrandes sacrificielles pour lesquelles il n'avait pas le caractère pour contrôler. And he told me, et elle m'a dit, the man you see today, l'homme que tu vois aujourd'hui, that's not how he was. Ce n'est pas comme ça qu'il était. Because a fabulous teacher of the word. C'était un formidable enseignant de la parole. He taught on prayer. Il a enseigné sur la prière. Now, maintenant, he teaches on money. Il enseigne sur l'argent. With the same eloquence. Avec la même éloquence. We shall each be confronted with the great tests of life. Nous allons tous nous trouver face aux grandes épreuves de la vie. Men gather to make Jesus Messiah and King. Les gens s'étaient rassemblés pour faire de Jésus le Messie et le roi. And Jesus ran away from glory. Et Jésus a fui la gloire. Physically ran away. Il a physiquement fui la popularité. And what Jesus ran away from. Et ce dont Jésus a fui. Our pastors crave. Nos pasteurs luttent pour cela. Crave. Ils l'enquisent, ils désirent désespérément avoir cela. Our pastors. Nos pasteurs. They drink congratulations like
A man who has been fasting for 70 days in the Sahara Desert. Et boivent les félicitations comme de quelqu'un qui a jeûné 70 jours dans le désert du Sahara. When you compliment them, quand tu les félicites, oh my father, oh mon père, my disciple, oh mon faisant des disciples. When you were speaking, the anointing of the anointing of the Lord. Quand tu es en train de parler, oh l'onction, l'onction de Dieu. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Hey, hallelujah. Corre messe katabakatoro. And so many et plusieurs have been ruined by flattery. Ont été ruinés par les flatteries. Fame. La popularité. Acknowledgement. Être reconnu. Titles. Les titres. Don't allow yourself to be called rabbi. Ne vous faites pas appeler rabbi. How many of our leaders do you know who react to the title honorifics that are attributed to them? Combien de nos dirigeants connaissez-vous qui réagissent contre tous ces titres honorifiques? Non. I do not say contre tous ces those honorific titles. Contre les titres honorifiques. I don't want to banalize them. Even if because some of them come from genuine hearts. I'm talking about running away from glory. I'm not talking about insulting flattery. Combien de nos dirigeants connaissez-vous qui réagissent contre des titres honorifiques qui leur sont attribués? Because it is easy for those who do not receive much flattery to mock and to talk about others who receive a lot of flattery. You don't know how you will behave. Parce que c'est facile pour ceux-là qui ne reçoivent pas beaucoup de flatterie de se moquer des autres qui en reçoivent plusieurs. Tu ne sais pas comment tu réagiras quand toi tu en recevras. I watch the brethren. J'observe les frères. And I want to say that there are a few things that make me cry. Et je veux le dire, il y a un nombre de choses qui me font pleurer. One of the things that makes me cry. Une des choses qui me fait pleurer, many of the leaders in our ministry, c'est que beaucoup de nos dirigeants dans notre ministère, did not believe the vision that God gave us, n'avaient pas cru la vision que Dieu nous avait donnée, and so they, in their minds, ainsi dans leurs pensées, they carry andropausal syndromes, ils portent des syndromes d'anthropose. Menopause. C'est-à-dire le correspondant chez les hommes de la ménopause. How does it manifest? Comment est-ce que cela se manifeste? When men, quand des hommes are going through andropause, passent par l'andropause. One of the symptoms. Un des symptômes is grasping all that they have. C'est s'attacher à tout ce qu'ils ont. Dare to touch their small tent, their flock of small 10 disciples. Et ose toucher le petit troupeau de 10 disciples. Mother hen, la mère poule, will come out. Va sortir. You know why? Savez-vous pourquoi? It makes me want to cry. Ça me fait vouloir pleurer. Why? Pourquoi? Not because he's clinging to the 10. Pas parce qu'il s'attache aux 10. But because all he can cling to is just 10. Parce que tout ce à quoi il peut s'attacher, c'est seulement 10. And that clinging. Et cet attachement là. It's a revelation that he never expected, that a vision will bring in millions. C'est une révélation. Ça révèle qu'il n'avait jamais cru que la vision en ferait venir des millions. He has defined his vision of himself. Il a défini sa vision de lui-même. By his insecurity. Par son insécurité. Faith. La popularité. La célébrité. La célébrité. Fame. La célébrité. The tests of life. Les épreuves, les tests de la vie. The opportunity to be something in the life of someone. L'opportunité d'être quelque chose dans la vie de quelqu'un. Certains. They don't even wait to have an assembly of 10 members. Ils n'attendent pas même pour avoir une assemblée de 10 membres. When they marry the unfortunate daughter of somebody. Quand ils épouse l'infortunée fille de quelqu'un. That is the beginning of their kingdom. Ça c'est le point de départ de le début de leur royaume. They are more draconian in their legislations, domestic legislations.
ils sont plus draconiens dans leur législation domestique. Dans leur législation domestique, they are more tyrannical than Nebuchadnezzar. Ils sont plus tyranniques que Nebuchadnezzar. When they walk, quand ils marchent, the woman must walk behind them. La femme doit marcher derrière eux. And men, et les hommes, whom we dreamt, que dont nous rêvions, that they will be statesmen, qu'ils seraient des hommes d'État, leaders of great ministries, des dirigeants de grands ministères, have reduced themselves into African village fiefdoms. Se sont réduits en des chefaillons des villages africains. La célébrité, smallness, la petitesse, the syndromes of unbelief, le syndrome de l'incrédulité, the self-confessed attitude of an inner sense of inferiority, la flatitude professée d'un sens intérieur d'infériorité. You derive your identity from the congratulations around you. Tu tires ton identité des félicitations autour de toi. When somebody says, quand quelqu'un dit, "Ah, you blessed me." Comment tu m'as béni? And then you say, "I didn't know anything good can come out of me." Je ne savais pas que quelque chose de bon pouvait sortir de moi. Somebody who does not know the psychology of fame. Quelqu'un qui ne connaît pas la psychologie de la célébrité, we think that you are very humble, penserait que tu es très humble. Are you humble? Est-ce que tu es humble? That confession. Cette confession là. I didn't know that anything good can come out of me. Je ne sais pas que quelque chose. Je savais pas que quelque chose de bon pouvait sortir de you moi. You know what he's saying? Savez-vous ce qu'il est en train de dire? He's saying that because you have acknowledged him. Il est en train de dire que parce que tu l'as reconnu. He now knows that something good can come out of him. Maintenant, il sait que quelque chose de bon peut sortir de lui. What a fool! Quel insensé! God who can use the donkey. Dieu qui peut utiliser un âne. That God chooses to use me. Que Dieu ait choisi de m'utiliser. Is that cause to wake up to that to the fact that I am something? Est-ce là une raison de me réveiller pour voir que je suis quelque chose? I'm nothing. Je ne suis rien. Do you need anybody to remind you that? As-tu besoin de quelqu'un pour te le rappeler? What did you confront the day you were believing? Qu'avais-tu confronté le jour où tu croyais? Have you ever repented? T'es-tu jamais repenti? Basic to the psychology of repentance. Fondamental à la psychologie de la repentance. Is the knowledge that I'm nothing. C'est la connaissance que je ne suis rien. I thought we learned it as the first lesson of our new life. Je pensais que nous l'avions appris comme première leçon de notre nouvelle vie. That we are nothing. Que nous ne sommes rien. Nothing. Rien. Christ in you. Christ en vous. The hope of our glory. L'espérance de la gloire. Christ. Christ in you. En vous. The hope. L'espérance. The only basis of expecting anything good out of you. Christ in you. La seule base sur laquelle s'attendre à quelque chose de bon de toi. Christ en toi. Do you need anybody to remind you about that? As-tu besoin que quelqu'un te rappelle cela? When all these young girls tell me, oh daddy, 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 oh. Tu sais, petite fille, jeune fille là me dit, oh daddy, daddy. When I go to the room, quand je vais dans la chambre, I remind myself. Je me rappelle à moi-même. Brother Theodore. Frère Theodore. It's not you. Ce n'est pas toi. Christ in you. Christ en toi. That's all. C'est tout. Remove Christ. Enlève Christ. Remove leadership. Enlève le leadership. Carry this amorphous body and offer some of these pretty sisters. They will drop it in the sadaga with no regret. Apporte ce corps amorphe là. Certains de ces sœurs vont le prendre et le jeter dans la sanaga. Sans regret. Sans regret. Are you expected to lie to yourself? Ah, et t'attends-tu à mentir à toi-même? If you are still facing those kind of temptations, si tu es encore en train de faire face à ce genre de tentation, then we have cause for worry. Alors nous avons là une raison de nous inquiéter. And if
If the sisters surround you, et si des sœurs t'entourent, and they praise you, et ils te louent, and their voice, et leur voix, is louder than what the mirror told you, est plus forte que ce que le miroir t'a dit. Man, vraiment. You don't have a mirror. N'as-tu pas un miroir? Should the mirror not tell you the truth? Le miroir ne devrait-il pas te dire la vérité? Show your stomach to the mirror. Montre ton ventre au miroir. The sisters are seeing what the dress covered. Les sœurs sont en train de voir ce que l'habit couvre. The mirror told you the truth. Mais le miroir t'a dit la vérité. Why don't you love the truth? Pourquoi n'aimes-tu pas la vérité? Secondly, deuxièmement, when you come to a camp like this, quand tu viens à un camp comme celui-ci, don't you, if you are honest, si tu es honnête, can't you see that there are many people who are fantabulously, fantastically better than you? Ne peux-tu pas voir qu'il y a des gens qui sont de loin supra, extra, supérieurs, meilleurs que toi? Then when you are small band, donc quand ta petite bande là, of laureates, you are pom pom girls and ces fillettes, tes majorettes, c'est toutes tes majorettes. When they surround you and start clapping for you, quand tes majorettes t'entourent et commencent à applaudir. You start dancing like a monkey in a zoo. Commence à danser comme un singe dans un zoo. That's the music you like. Ça c'est la musique que tu aimes. Fame. La célébrité. We are all going to confront the tests of life. Nous allons tous confronter les tests, les épreuves de la vie. These men had confronted their tests. Ces hommes-ci avaient confronté leurs tests. They had faced danger. Ils avaient fait face au danger. They had faced the cross. Ils avaient fait face à la croix. Those who have been through the cross, ceux qui sont passés par la croix, ceux qui ont expérimenté la croix, they have self-knowledge. Ils ont la connaissance d'eux-mêmes. And those who have self-knowledge, et ceux qui ont la connaissance d'eux-mêmes, are sober. Ils sont sobres. They're not too talkative. Ils ne parlent pas beaucoup. The beginning of knowledge, le commencement de la connaissance, is knowing that I don't know. C'est savoir que je ne sais pas. And knowing what I don't know. Et savoir ce que je ne sais pas. They had been tested. Ils avaient été éprouvés. They came to this encounter. Ils étaient venus à cette rencontre. Defeated men. Des hommes vaincus. Men walking away from their past. Des hommes s'éloignant de leur passé. Men. Des hommes who through the call of Jesus. Qui à travers l'appel de Jésus. Through the mercy of Jesus. À travers la miséricorde through de Jésus. The grace of Jesus. À travers la grâce de Jésus. Had found courage. Avaient trouvé le courage. To walk away from what they know of themselves. De s'éloigner de cela qu'ils connaissaient d'eux-mêmes. To walk away from their credits. De s'éloigner de leur crédit. And to walk away from their failures. Et de s'éloigner de leurs échecs. When men, quand des hommes, will not take initiative, ne veulent pas prendre l'initiative, because they claim that they have failed in the past. Parce qu'ils disent qu'ils ont échoué dans le passé. It's not humility. Ce n'est pas l'humilité. It's the lack of encounter with Jesus. C'est le manque de rencontre avec Jésus. Those who meet Jesus, ceux qui rencontrent Jésus, and experience the grace of God, et qui expérimentent la grâce and de the Dieu, mercy of God, et la miséricorde, they walk away from their failures. Ils s'éloignent de leurs échecs. They move ahead. Ils avancent. Humility. L'humilité is not dark introspections. Ce ne sont pas des sombres introspections.
Humility. L'humilité. Is simply forgetting yourself. C'est simplement t'oublier toi-même. I'm moving ahead. Et avancer. Oh, the self-absorption. C'est tout est absorbé en soi-même. I'm not qualified. Je ne suis pas qualifié. Pussy cat. Chat. Licking your. Te lèche le your body. Ton corps. Who has time for that? Qui a du temps pour ça? Should the grace of God. La grâce de Dieu. Should it not make you forget your failures? Ne devrait-elle pas te faire oublier tes échecs? It is only your pride that dwells on them. C'est seulement ton orgueil qui y demeure. Because you never expected to disappoint yourself so much. Parce que tu n'avais jamais attendu te décevoir toi-même tant à ce point-là. And so life will keep teaching you that you are nothing. Et ainsi la vie va continuer à t'enseigner que tu n'es rien. Those who experience the mercy of God. Ceux qui expérimentent la miséricorde de Dieu. Like these disciples. Comme ces disciples-ci. They take a journey. Ils font un voyage. They left Judea. Ils sont partis de la Judée. They went to Galilee. Ils se sont rendus en Galilée. They kept their appointment. Et ils ont respecté le rendez-vous. Why did they go? Pourquoi étaient-ils allés? They were walking away. Ils étaient en train de s'éloigner. From their failure. De leur échec. From the hurts they had brought to Christ. De blessures qu'ils avaient apportées à Christ. They had the courage. Ils avaient le courage. Because they had experienced his mercy. Parce qu'ils avaient expérimenté sa miséricorde. They could go away. Ils pouvaient s'éloigner. Not just from success. Non pas seulement du succès. They had abandoned their material things before. Ils avaient auparavant abandonné leurs choses matérielles. What they were expected to abandon now. Ce qu'ils étaient attendus qu'ils abandonnent maintenant. What they were to abandon now. Ce qu'ils devaient abandonner maintenant. Was dwelling on the fact that they had failed Christ. C'était demeurer sur le fait qu'ils avaient déçu Christ. Dwelling on their failures. Demeurer sur leur échec. Was what the mercy and the call of Jesus to Galilee had delivered them from. C'est ce que la miséricorde et l'appel de Jésus en Galilée, c'est ce dont ces deux choses les avaient délivrés. So they came. Ainsi, ils étaient venus. They saw him. Et ils l'ont vu. They worshipped. Ils l'ont adoré. They had nothing. Ils n'avaient rien. He came to them. Il était venu à eux. They fell before him. Et ils sont tombés devant lui. And they worshipped him. Et ils l'ont adoré. They told him nothing. Ils ne lui ont rien dit. They just fell. Ils sont juste tombés. At least they were there. Au moins ils étaient là. They had come a long way. Ils venaient de très loin. At least they were there. Au moins ils étaient là. Through all the denial, à travers tout le reniement, through all the cowardice, à travers toute la lâcheté, through all the failure, à travers tout l'échec, they were there. Ils étaient là. Before him, devant lui. They kept the appointment. Ils avaient gardé, respecté le rendez-vous. And it is to worshippers. Et c'est à des adorateurs. To prostrate men. À des hommes prostrés qui s'étaient prosternés. To graduate failures. À des échecs diplômés. That Jesus gave his commission. Que Jésus donna sa commission. Is them. C'est eux. That he employed. Qu'il employa. In the inauguration of his kingdom. Pour l'inauguration de son au jour de l'inauguration de son royaume. Those were the kind of people he recruited. C'était là le genre de personnes qu'il recruta. They had nothing. Ils n'avaient rien. They had nothing. Ils n'avaient rien. They were coming there. Ils venaient là. No, with nothing. Avec rien.
No claims. Pas de revendication. No merits. Pas de mérite. No promises. Pas de promesses. They couldn't tell him now. Et il ne pouvait pas lui dire maintenant. Oh Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. Don't worry. Ne t'en fais pas. I'll be with you. Je serai avec toi. Come on. Écoute. After all the love you have shown me, how can I deny you? Après tout l'amour que tu m'as montré, comment peux-je te renier? I'll be there for you, Lord Jesus. Je serai là pour toi, Seigneur Jésus. Count on me. Compte sur moi. Hallelujah. The day you selected me, you made the greatest, the wisest decision of your career. Oh, le jour où tu m'as sélectionné, tu as fait la décision la plus sage de ta carrière. I'm a great player. Un grand joueur. I am a great player. Je suis un grand joueur. I'm in your team. Je suis dans ton équipe. You. Toi. They had learned. Ils avaient appris. That the only person to congratulate in choosing them was Jesus. Que la seule personne à féliciter concernant leur choix, c'était Jésus. They were in Jesus' team. Oui, ils étaient dans l'équipe de Jésus. Cowards. Mais des lâches. Runaways. Des fuyards. When the ball was kicked, they ran from the field. Quand on a tiré là-bas, ils ont fui le terrain de jeu. To have a team. Avoir une équipe. Cowards. Des lâches. People who are overthrown by small girls. Des gens qui sont renversés par de petites filles. So the only person to congratulate. Donc la seule personne à féliciter. Was Jesus. C'était Jésus. What could he have seen in them? Qu'est-ce qu'aurait-il pu voir en eux? To stick to them even after the resurrection. Ou demeurer attaché à eux même après la résurrection. It was to worship. C'était à des adorateurs. That Jesus gave the great commission. Que Jésus donna la grande commission. Lord, I repent to God. I confess, oh God, that I have totally. Oh God, I've dwelt on my failures, Lord, I've dwelt on my failures, oh God. Lord, I beg you, oh God. Father, I confess I've dwelt on my failures, oh God. I've dwelt on my failures so long, and I've eaten up my heat, oh God, I've eaten up my heat. I beg you. Oh God, I've tried on my fellows. Oh God, I tried. Oh God. Seigneur, je supplie, Seigneur, que mon cœur s'ouvre et que je saisisse. Seigneur, je te supplie. Et je désister de ta miséricorde. Oh Seigneur, je reconnais que j'ai fonctionné jusqu'à présent. Oh Dieu, vivant dans l'échec. Oh Seigneur, vivant dans l'incapacité d'avancer. Vivant dans l'instabilité, Seigneur, regardant l'échec. Oh Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je prie pour me saisir de ta grâce qui est disponible. Pour me saisir de ta miséricorde disponible. Oh Seigneur, pitié de moi. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, j'ai été plusieurs reprises. Renversé, Seigneur, plein dans l'échec. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je supplie, saisis ta grâce. Seigneur, je supplie, saisis ta grâce. Oh Seigneur, saisis ta grâce aujourd'hui. Je veux renoncer au passé. Je veux renoncer à l'échec. Je veux renoncer à l'instabilité. Seigneur, tu as fait quelque chose de nouveau. Seigneur, je n'ai rien fait de mieux. Seigneur, tu as fait ce qui était meilleur. Mieux, Seigneur, tu as accompli tout pour moi. Seigneur, je désire me saisir de la croix de Christ. Oh Seigneur, tu as tout accompli. Oh, tu as tout accompli. Oh Jésus, tu as tout accompli, Jésus. Tu as tout accompli pour moi. Oh Seigneur, je renonce au passé. Je renonce à l'échec. Seigneur, je renonce. Oh Dieu, je renonce à l'échec. Je renonce à l'échec. Je renonce à l'instabilité. Seigneur, je renonce à toutes mes chutes. Au péché qui m'a longtemps captif. Oh Seigneur, pour me saisir de toi. Seigneur, pour me saisir de toi. Seigneur. Avec toi, je suis convaincu que je peux tout accomplir.
Seigneur, c'est toi en moi, non moi-même. C'est toi qui accomplis tout en moi, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui accomplis tout en moi, Seigneur. Je ne suis plus Bruno qui a échoué, mais c'est toi qui es venu en moi. C'est toi qui es venu en moi. C'est toi qui as réussi en moi. Seigneur, je t'en supplie. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je désire me saisir de toi et me mettre fin au passé et entrer dans une nouvelle vie. Entrer dans une nouvelle vie. Te regarder et rester. Te regarder et rester et avancer. Oh Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father, I confess, oh God, that I'm a disappointment. Father, I confess, oh God, that I'm a disappointment. And I regret, oh God, I regret and I regret. But I beg you to forgive me from seeing myself better than others, oh Lord. I beg you to forgive me, oh God, from looking at my potentials. Oh God, I beg you to forgive me because I started counting on myself. I've turned my back from you, oh God, and I beg you to forgive me. I beg you, Lord, to forgive me. I beg you, Lord. I beg you, Lord, to forgive me. I beg you, Lord. And I pray, oh God. I used to see it before that I was nothing. And I beg for your grace. May you open my eyes once more to see that I'm nothing, I'm nothing, I'm nothing. And grant me the grace, oh God, to turn away from my failures and continue. Oh God, grant me the strength to continue. Grant me the grace to stand up and move ahead, oh Lord. May your mercy, may your grace reach out to me, oh Lord. I beg you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien. Seigneur, je plaide. Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit pour que je saisisse cette vérité, Seigneur. Seigneur, que je ne suis rien. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien. Oh, Seigneur. Je plaide. Seigneur, que tu me donnes de saisir cette vérité, Seigneur. Je plaide qu'il me donne de saisir cette vérité, Seigneur. Seigneur, je plaide qu'il me donne de saisir cette vérité. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien, Seigneur. Seigneur, tu es tout. Tu es tout, Seigneur. C'est pourquoi je plaide. Seigneur, je plaide pour ta miséricorde. Je plaide pour ta faveur. Je plaide, Seigneur. Seigneur, que tu viennes m'encourager. Seigneur, que tu viennes. Seigneur, me relever. Seigneur, que tu viennes. Seigneur, me donner. Seigneur, de ne pas m'apitoyer. Seigneur, sur les échecs du passé. Seigneur, de regarder à toi. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je plaide. Seigneur, que tu ouvres nos yeux pour que nous saisissions cette vérité, Seigneur. Seigneur, que nous ne sommes rien. Que nous ne sommes rien. Que nous ne sommes rien, Seigneur. S'il te plaît, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. For those who want a clear sense of God's call on their lives, pour ceux qui veulent un sens clair de l'appel de Dieu dans leur vie, they must plan encounter with Christ. Ils doivent planifier des rencontres avec Christ. And they must prepare their disposition. Et ils doivent préparer leur disposition. It is to prostrate hearts. C'est à des cœurs prosternés that Jesus speaks. Que Jésus parle. We fall down. Nous tombons. As worshippers, comme adorateurs, we rise up. Nous nous levons after he has spoken. Après qu'il a parlé, as functionaries of his kingdom,
comme des fonctionnaires de son royaume. We emerge from the encounter with Christ. Nous émergeons de la rencontre avec Christ. As servants of royalty. Comme des serviteurs de la royauté. As royal servants. Comme des serviteurs du roi. How are we going to produce many people with a distinct ministry? Comment allons-nous produire beaucoup de gens avec des ministères distincts? We must educate our people in personal encounters with Christ. Il nous faut éduquer nos gens dans les rencontres personnelles avec Christ. And there is an inner journey to encounter with Christ. Il y a un voyage intérieur qui mène à une rencontre avec Christ. T.A. Sparks. Austin Sparks. He says that we must teach the young people. Il nous dit qu'il faut enseigner aux jeunes. And practice ourselves. Et le pratiquer nous-mêmes. The heart road to Christ. Le chemin du cœur qui mène à Christ. There is a heart road to Christ. Il y a un chemin du cœur qui mène à Christ. And he says, et il dit, it is following the heart road, the road of the heart to Christ. C'est en suivant le chemin du cœur menant à Christ. It is following the heart road. C'est en suivant le chemin du cœur that results in encounter with Christ. Qui résulte en des rencontres avec Christ. Following any religious formula. Suivre une formule religieuse quelconque will not produce encounter with Christ. Ne produira pas des rencontres avec Christ. Because the preconditions for encounter. Parce que la précondition pour les préconditions pour la rencontre. And that we seek him and worship him in spirit, that is in our innermost being, and in truth. C'est que nous le recherchions et que nous l'adorions en esprit et en vérité dans notre être intérieur. It's not your comment on the way you approach God. Ce n'est pas ton commentaire sur comment tu approches Dieu. It is the result. C'est le résultat. That will show whether you followed the heart road or you followed the religious road. C'est le résultat qui va montrer si tu avais suivi le chemin du cœur ou si tu avais suivi la voie religieuse. And he was making the comment. Et il était en train de faire le commentaire about the repentance of the apostle Paul. Au sujet de la repentance de l'apôtre Paul. He says. Il dit. Now many people wonder. Que beaucoup de gens se demandent why Paul took 3 days. Pourquoi Paul avait pris 3 jours. In blindness. Dans l'aveuglement total. He says he doesn't wonder what Paul was doing. Il dit que lui qui ne se demande pas ce que Paul était en train de faire. That no one que personne who has encountered Jesus qui a rencontré Jésus will wonder what Paul was doing. Ne peut demander ce que Paul était en train de faire. He said, il dit, Paul was facing his sins. Que Paul était en train de faire face à ses péchés. And that after 77 years of serving the Lord, et qu'après 77 ans à servir le Seigneur, his only wonder, son seul étonnement, sa seule surprise, is that it took Paul such a short time when he was an adult that after 3 days he had finished confessing his sins until Jesus could come. That a man must have labored to live a righteous life because he knows in his own life that it would not have taken only 3 days. Et qu'il a fallu seulement 3 jours à Paul et qu'il ait confessé tous ses péchés jusqu'à ce que Jésus lui vienne et que Paul lui apparaisse.
et qu'il sait, savait, qu'il sait que dans son propre cas, ça ne lui aurait pas pris seulement 3 jours. Is there anyone who has encountered Jesus? Et il dit, toute personne qui a rencontré Jésus came with the heart road. Est venue par la voix du cœur. With truth. Avec la vérité. That Jesus demands. Que Jésus exige. That you tell, you face yourself. Que tu te confrontes toi-même. Que tu te fasses face à toi-même. Jesus demands. Jésus exige. That you face yourself. Que tu te confrontes toi-même. Your actions. Tes actions, your selfishness, ton égoïsme, your motives, tes motifs, your small, sa petitesse, he demands it. Il l'exige. John Calvin says in the book The Institutes of Christianity. Et John Calvin dit dans le livre Les Instituts du Christianisme. He says, il dit, I don't know which comes first. Je ne sais pas ce qui vient avant. But I know they always come together. Mais je sais qu'ils viennent, que les deux viennent toujours ensemble. That no one has ever met God without meeting himself. Que personne n'a jamais rencontré Dieu sans se rencontrer lui-même. And that no one, et que personne, has ever faced himself, ne s'est jamais confronté, in truth, en vérité, without encountering the mercy and the hand of God, sans rencontrer la miséricorde et la main de Dieu. And he says, et il dit, the deficiency in the knowledge of God. La déficience dans la connaissance de Dieu. Is because of c'est à cause. The deficiency in the self-knowledge that leads to true repentance. C'est la déficience dans la connaissance de soi qui mène à la vraie repentance. That's why many do not meet God. C'est pour cela que plusieurs ne rencontrent pas Dieu. They are relating to God according to the formularies of religion. Il traite avec Dieu selon les formules de la religion. The formularies of their religion. Les formules de leur religion. They have done the things which their own religious community laud and celebrates. Ils ont fait les choses que leur propre communauté religieuse loue, célèbre. They have obtained the positions. Ils ont obtenu les positions that are elevated in their own religious community. Qui sont élevés dans leur propre communauté religieuse. And it has blinded them to who they are. Et cela les a aveuglés quant à qui ils sont. So they don't talk to God. Donc ils ne parlent pas à Dieu. As they are. Comme ils sont. They don't face the truth. Ils ne font pas face à la vérité. And they don't come with the innermost being. Ils ne viennent pas avec l'être tout à fait intérieur. They don't come in spirit. Ils ne viennent pas en esprit. And he says, et il dit, that's why many don't know God. C'est pour cela que plusieurs ne connaissent pas Dieu. They have lied to themselves. Ils se sont menti à eux-mêmes. They have lived out their own reputation. Ils ont vécu leur... Ils ont cru l'impression qu'ils ont donné aux autres. And it has blinded. Et cela les a aveuglés. So God cannot reach them. Donc Dieu ne peut pas les atteindre. Because they are a lie. Parce qu'ils sont un mensonge. They are a lie. Ils sont un mensonge. And the older people get in the Lord. Et plus les gens vieillissent dans le Seigneur, and the more positions people obtain, et plus les gens obtiennent des positions, the more hypocritical and the more lie, the more pretentious they become. Et plus ils deviennent prétentieux. How many people hear leaders talking about their sexual temptations? Combien de personnes ici parmi les dirigeants parlent de leurs tentations? How many of you have heard? Ah, combien d'entre vous ont entendu des dirigeants parler de leurs tentations sexuelles? Do they tell the truth? Disent-ils la vérité? Are they true? Sont-ils vrais? Most of them are not. La plupart d'entre eux ne le sont pas.
In the encounter with God, dans la rencontre avec Dieu, we must approach with the heart. Il nous faut approcher avec le cœur. It requires, cela exige, entering into myself. Entrer en moi-même. It requires, cela demande, facing my acts. Faire face à mes actes. If I did it, si je l'ai fait, to tell myself I did not have the intention to do it does not save you from the fact that you did it. Le dire que je n'avais pas l'intention de le faire, de faire du mal, ne te sauve pas du fait, ne te délivre pas du fait que tu l'as fait. Face what you did. Confronte ce que tu as fait. Don't excuse your acts by your intentions. N'excuse pas tes actes par tes intentions. It's hypocrisy. C'est de l'hypocrisie. If you did it, si tu l'as fait, if you watch pornography, si tu as regardé la pornographie, don't say I was distracting myself. Ne dis pas que tu étais en train de te distraire. You are immoral. Tu es immoral. Why do you need to go beat around the bush? Pourquoi aller tourner autour du pot? Why? Pourquoi? If your disciples abandon you, si tes disciples t'abandonnent, have you confronted the truth? As-tu confronté la vérité? One of the simple truths may just be that you are a stingy man. Et une des vérités simples pourrait être que tu es un homme chiche. You are stingy. Tu es chiche. Who can live with stinginess? Qui peut vivre avec la chicheté? How many of your disciples have you treated as you treated your natural children? Combien de tes disciples as-tu traité comme tu traites tes enfants biologiques? Comme tu traitais tes enfants biologiques? How many? Combien? You're a hypocrite. Tu es un hypocrite. You don't have anybody because you don't deserve anybody and you don't need anybody. Tu n'as personne parce que tu ne mérites personne et tu n'as besoin de personne. You want the credit of being called daddy without the responsibility of acting as a father. Tu veux le crédit d'être appelé daddy sans avoir la responsabilité d'être un père. Sans effectuer la responsabilité d'être un père. Tu es hypocrite. Tu es un hypocrite. Face your actions. Confronte tes actions. That is truth. Ça, c'est la vérité. If you went and hugged somebody, si tu es allé pour embrasser quelqu'un, and you had immoral heat flushes, et tu as eu des flashs immoraux, immoral heat flushes. Des bouffées de chaleur immorales. Are you so pure that you don't understand heat flushes? Immoral heat flushes. Des bouffées de chaleur immorales. Who understands what I'm talking about? Qui comprend ce que je suis en train de dire? I'm talking to little angels. Ou bien suis-je en train de parler à de petits anges? Or to crystals. Ou bien à des cristaux. Who have never felt anything. Ou qui n'ont jamais rien senti. If you hugged, si tu as embrassé, and you had your heat, et tu as eu la chaleur, stop. Arrête. Don't say. Ne dis pas that sister is a mommy water. Ne dis pas que cette sœur là c'est une mommy water. If she's a mommy water, you are papa water. Si tu es elle une mommy water, c'est que tu es une papa water. Is she the one that felt the flush? C'est elle qui a ressenti la bouffée de chaleur. Why don't you just stop? Pourquoi n'arrêtes-tu pas juste? And face the fact that. Et que tu fais face au fait. That you have committed adultery. Que tu as commis l'adultère. Is it too much to admit? Est-ce que c'est trop de l'admettre? So that you can receive forgiveness. Pour que tu reçoives le pardon. And the cleansing of the blood. Et la purification du sang.
Is it too much? Est-ce que c'est trop? To just be true. D'être juste vrai. The pretension will carry you how far? Prétendre, faire semblant, jusqu'où est-ce que cela va te porter? The hard road. La voie du cœur. The hard road. Le chemin du cœur. If you have been wicked, si tu as été méchant, and there are people when somebody, if you are insecure, si tu es en insécurité, and the spirit of King Saul has come over you, et l'esprit du roi Saul est venu sur toi, you watch the people under you who are very talented, et tu regardes les gens sous toi qui sont très talentueux. And then you slam on them religious words that they are disloyal and independent when you are just jealous. Et tu flanques sur eux le mot religieux déloyaux alors que tu es juste jaloux. You are fooling who? Qui es-tu en train de tromper? They will catch up with you. Cela va te rattraper. You are a jealous man. Tu es un homme jaloux. And the jealousy always comes from a troubled conscience and a sense of failure. Et la jalousie vient toujours d'une conscience troublée et d'un sens d'échec. Deal with your conscience. Traite avec ta conscience. It will free you to love those who are gifted. Ça va te libérer pour que tu puisses aimer ceux-là qui sont doués. Instead of adopting over control mechanics. Ou au lieu d'adopter des mécanismes de contrôle exagéré. You're not discipling anybody. Tu n'es pas en train de discipuler qui que ce soit. Because of a troubled conscience. À cause d'une conscience troublée. You want to control others. Tu veux contrôler les autres. Or accuse others. Ou accuser les autres. In order to mask your own sense of having lost God. Et afin de masquer ton propre sens d'avoir perdu Dieu. It won't last. Ça ne va pas durer. You're only preparing the way for a scandal. Tu es seulement en train de préparer le chemin pour un scandale. You hide it, tu le caches. It will burst out. Ça va éclater. Au grand jour. Hide it. Cache-le. With time, avec le temps. The inner corruption. La corruption intérieure. If the purse does not come out, si le pus ne sort pas. It will burst. Ça va éclater. And the day it bursts, et le jour où ça éclate. It will be before everyone. Ce sera devant tout le monde. The hard way. La voie du cœur. Was understood. Qui a compris. This hard way. Cette voie du cœur. It involves telling God the truth. Cela implique dire la vérité à Dieu. And haven't told yourself the truth. Et t'ayant dit la vérité à toi-même. It involves. Cela implique preaching to yourself. Prêcher à toi-même. I'm going to God. Et aller à Dieu. In truth. En vérité. That's a way to encounter God. Ça, c'est la voie pour rencontrer Dieu. John Calvin says. Donc Jean Calvin dit. I don't know which comes before which. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient avant l'autre. Whether a man, in order to meet God, soit un homme pour rencontrer Dieu, must know himself. Doit se connaître lui-même. Or, ou bien a man knows, a man meets God. Ou bien quelqu'un rencontre Dieu. And God is acts like a mirror and he sees himself. Et Dieu agit alors comme un miroir et il se voit lui-même. Since we are in the image of God, puisque nous sommes à l'image de Dieu, it is in the encounter with God that we see ourselves. C'est dans la rencontre avec Dieu que nous nous voyons nous-mêmes. As we really are. Comme nous sommes réellement. God, Dieu, is our mirror. Est notre miroir.
Because we were created in his image. Parce que nous étions créés à son image. Those who meet God, ceux qui rencontrent Dieu, see themselves. Se voient. And those who have never met God, et ceux qui n'ont jamais rencontré cannot Dieu, know themselves. Ne peuvent pas se connaître. They depend on comments. Ils dépendent des commentaires. They feed. Ils se nourrissent. On reputation. Des réputations. Ils se nourrissent de leur réputation. And what people say about that. Et de ce que les gens disent d'eux. That is the heart road. Ça, c'est la route du cœur. To approach God. Pour approcher Dieu. Those are the dynamics of encounter with God. Ça, ce sont les mécanismes de la rencontre avec Dieu. No one who comes. Personne qui vient with the heart, avec le cœur and with truth, et avec la vérité will go away unmet. Ne va pas repartir sans le rencontrer. You can meet God. Tu peux rencontrer Dieu. It's not an emotion. Ce n'est pas une émotion. It may be accompanied by emotion. Cela pourrait être accompagné d'émotions. But you can meet God. Mais tu peux rencontrer Dieu. We must multiply personal encounters with God. Il nous faut pardon. Il nous faut multiplier les rencontres personnelles avec Dieu. If we expect great commissions, si nous attendons à de grandes commissions, if we expect Jesus to speak to men, si nous attendons que Jésus parle aux hommes, distinctement, then they must meet him. Alors il faut qu'il le rencontre. And the leader is not Jesus. Et le dirigeant n'est pas Jésus. I am not Jesus. Je ne suis pas Jésus. I can't be Jesus to you. Je ne peux pas être Jésus pour toi. If you have not met Jesus, si tu n'as pas rencontré Jésus, in the words of man, dans les paroles de l'homme, d'un homme, you will never hear God. Tu n'entendras jamais Dieu. He invited them to an encounter. Il les invita à une rencontre. And they went. Et ils sont allés. And in that encounter, et dans cette rencontre, from their side, it was worship. De leur côté, c'était l'adoration. From his side, de son côté, it was a commission. C'était une commission. Worship meets commission. L'adoration rencontre la commission. We flow to him in worship. Nous coulons à lui en adoration. He comes to us in commission. Il vient à nous dans la commission. Il vient à nous avec la commission. Yeah. Avec une commission. So each one of us can encounter. Donc chacun de nous peut le rencontrer. Truthfully. En vérité. The encounter affected them. La rencontre les avait affectés. And the encounter provided them direction. Et la rencontre leur avait donné la direction. Tomorrow, demain, we shall confront the one who spoke to them. Nous allons confronter celui-là qui leur avait parlé. He was coming fresh out of the throne room. Il sortait
tout fraîchement de la chambre, de la salle de la chambre du royaume. Throne room. De, ah pardon, de la salle du trône. Du trône. Ah, de la du trône. A transaction had taken place in heaven. Une transaction avait eu lieu au ciel. A kingdom was inaugurated. Un royaume avait été inauguré. A new Israel. Une nouvelle Israël was launched. Était lancée. From the ashes of the nationalistic Israel. À partir des cendres de l'Israël nationaliste. The church. L'Église, the Israel of God. L'Israël de Dieu. He came straight from heaven. Il venait tout fraîchement du ciel. To get the enterprise launched. Pour mettre en route l'entreprise. Dieu. It is in those meetings, encounters with God. C'est dans ces rencontres avec Dieu. You following the heart road. Toi suivant le chemin du cœur. Him coming to you in revelation. Et lui venant à toi en révélation. Par révélation. It is him, it is those encounters. Ce sont ces rencontres on which we must place our hopes of the future. C'est sur ces rencontres que nous devons placer notre espérance de l'avenir. It is on those encounters. Ce sont sur ces rencontres that careers are made. Que les carrières sont faites. Kingdom careers. Les carrières du royaume. They met God. Ils ont rencontré Dieu. And the return schemes and plans of Peter to inaugurate a widened fishing enterprise were abolished. Et les plans élargis les plans de Pierre pour élargir, agrandir son entreprise de pêche étaient abolis. They met God. Ils avaient rencontré Dieu. Their discouragement was abolished. Leur découragement était aboli. They met him. Ils l'ont rencontré. And their hiding in the room for fear of death and persecution was ended. Et c'était la fin, leur fin, la fin de se cacher dans la chambre par peur de la mort et de persécution. They met him. Ils l'avaient rencontré. And they were commissioned. Ils étaient commissionnés. They came as disciples. Ils étaient venus comme disciples. Related to him as worshippers. Reliés à lui. But they came as disciples. When they got there, they related to him as worshippers. Et ils étaient venus comme disciples. Et là-bas, ils l'ont traité en tant que adorateur. Ils l'ont approché en tant qu'adorateur. And they left from there. Et ils sont repartis de là. As ambassadors. Comme ambassadeurs. Tomorrow. Demain. We shall look at the one who was speaking. Nous allons voir celui qui parlait. But let each one of us come. Que chacun de nous vienne. Let's come to the encounter. Venons à la rencontre. To the risen Christ. Du Christ ressuscité. À la rencontre avec le Christ ressuscité. Come. Viens. How do we know who you are even? Comment savons-nous-mêmes qui tu es? How do we know what career is hanging on your head? Comment savons-nous quelle carrière est là sur toi, au-dessus, t'attendant?
How can we tell? Comment pouvons-nous dire? What will come out of you? Ce qui va sortir de toi. Your history, we know. Ton histoire, nous connaissons. But your future, who knows? Mais ton avenir, qui sait? Because the future is not predicated on the past. Parce que l'avenir n'est pas prédit par le passé. From your encounter with the Lord. De leur rencontre avec le Seigneur. From your encounter with the Lord. Pardon. De ta rencontre avec le Seigneur. A destiny. Une destinée. A ministry. Un ministère. A contribution. Une contribution. In the kingdom. Dans le royaume. In our ministry. Dans notre ministère. Is about to be discovered. Est sur le point d'être découverte. Your leader does not know it. Ton dirigeant ne le sait pas. And your destiny in the ministry is not determined by the leader. Et ta destinée dans le ministère n'est pas déterminée par le dirigeant. It is something to be discovered. C'est quelque chose qui doit être découvert. From your encounter with the Lord. De ta rencontre avec le Seigneur. It makes the Christian life a great adventure. Cela fait de la vie chrétienne une grande aventure. How can we tell? Comment pouvons-nous dire? What will come out of you people? Ce qui sortira de vous. We don't know. Nous ne le savons pas. They met the Lord. Ils rencontrèrent le Seigneur. And they came back ambassadors of a new kingdom. Ils revinrent ambassadeurs d'un nouveau royaume. Who can tell? Qui peut dire? The careers latent in those of you here. Les carrières latentes en vous qui êtes ici. Meet him. Rencontrez-le. And if you want to meet him, et si tu veux le rencontrer, come the hard way. Viens en suivant la voie du cœur. Facing yourself. Faisant face à toi-même. And telling the truth. Et disant la vérité. Drop the religious way. Abandonne la voie religieuse. Drop them. Abandonne ces voies. You see, Jesus really doesn't mind talking to the real you. Ouais, Jésus, ça ne dérange pas de parler à ta vraie personne. But he cannot talk to a false copy. Mais il ne peut pas parler à une fausse copie. A photocopy of those you are jealous of. À une photocopie de ceux dont tu es jaloux. What he has to say, ce qu'il a à dire, he wants to say it to you. C'est à toi qu'il veut le dire. The real you. Au vrai toi. As you know yourself. Tel que tu te connais toi-même. And as he knows you. Et tel qu'il te connaît. Is to you. C'est à toi. That he wants to relate. Qu'il veut traiter. C'est avec toi qu'il veut traiter. He will not come to a table meeting when you have dressed up. Et il ne va pas venir à une réunion autour d'une table où tu t'es tu t'es habillé. Ça dit où tu as tiré des airs. Des airs. Tu t'es revêtu d'apparence. Tes vêtements religieux. Tu as adopté ta voix de dimanche. Ton visage de sainteté et tes airs de moine. Et tes airs de moine. Jésus ne peut pas parler avec des gens comme ça.
même quand il était sur la terre, il les chicotait, il chicotait les pharisiens. Donc ce n'est pas du ciel qui va aimer des gens comme ça. Amen.